chance to understand a little bit more about our coffee. We gave him a little history of Rwandan coffee. He got a chance to see how coffee is grown, how it's picked. And right now he's working on a Yuri blend. So basically going through the different flavors of coffee, and then once he identifies his preferred flavors, we put it together and then we create a brand specifically for him. De goûter le café, en fin de compte, comprendre le process du café, comment ça grandit, le temps que ça prend, la patience qu'il faut, ses arômes et ses saveurs qui sont complètement différentes, et on s'aperçoit que c'est pour ça que c'est un produit aussi unique. The relation between Rwanda and coffee is a deep one. Coffee really is a way of life for a good portion of our population. When you're looking at the number of farmers that grow coffee, it's a way of life. It's a crop that really provides for a very big percentage of Rwandans. L'expérience du café au Rwanda, c'est incroyable de rencontrer des ONG comme ça qui sont tournées sur un objectif. C'est pas juste un concept, il y a une histoire derrière le concept. Un besoin, une envie aussi d'offrir quelque chose de qualité, de partage, et quoi de mieux qu'un café, quoi.